Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, on se retrouve au mois d'août. On est le combien? On est le 7 ou 8, je crois. Non, mais 8. On est le 8, mon assistante me dit. Ça va, mon assistante, ou pas? Ouais. Contente d'être arrivée? Non? Bon. Donc, voilà, c'est les vacances d'août. On part une petite semaine en camping-car. Et là, on est à Saint-Jean-de-Mont, comme il y a 2 ans. Donc on va se faire une petite plage, la grande roue, aller voir la fête foraine, tout ça. Ah, on va peut-être faire l'acrobranche aussi, je sais pas. Après, dans cette vidéo, on va sûrement au camping qu'on aime bien, là, le Pin Parasol. Bon, on y va tous les ans, vous commencez à être habitués, hein, enfin les abonnés, ceux qui sont abonnés. Et puis ensuite, on va découvrir un nouveau camping, c'est le camping atypique du lac de Graon. Au sud de la Roche-sur-Yon. On a rencard avec des abonnés là-bas, avec des potes, des copains abonnés. Je viens de faire une connerie. Enfin voilà, quoi, bonne vidéo. Bon, je viens de faire une grosse bêtise, c'était une surprise normalement, mais Jeanne a compris l'histoire. Donc c'est plus une surprise, quoi, dommage. Et donc on va découvrir ce nouveau camping là qui a l'air très sympa. Je vous souhaite une bonne vidéo. Vous voulez dire quelque chose ou pas aux, vous voulez dire quelque chose aux internautes ou pas? Oui ou non? Non? Non, elles veulent pas parler. Je suis chat. Ouais. Jeanne, rappelle-moi, tu mesures combien déjà? 1m52. Et toi? 1m30. 32. 32. 30. Allez, 30. À la playa. Ah, il y a la police qui nous surveille. Alors, 2 ans après, mais cette fois-ci on fait 2 jours. On va en arrière. Attends, moi je vais y aller en avant. On fait 2 jours
Il y a 2 ans, on l'avait fait de nuit. Allez, c'est parti. Ça va aller plus vite, ça va tout lentement là. Je comprends pas pourquoi ils font pas monter plus de gens. Oh, on est même pas en haut. On est pas encore en haut. Là, là, on est sur le côté. Et c'est marrant, deux jours, j'ai moins de vertige en fait. Pourquoi ça? Ah, il fait monter des gens. Oh, oh. Ça arrête toutes les minutes. Ouais, ça va pas être la même température qu'à Barcelone, non. L'eau. Ah, c'est dommage. Oh. Et voilà, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz. Ouais. Allez, on est presque en haut, on est en haut. Non, on est pas en haut là. Bon, attends, arrête là. Là, on est en haut. Bouh. Ça s'arrête pas, t'as vu. Ça s'arrête là. Là, on est en haut. Ça va, Clémence? Oui. Jeanne, bien ou pas? Yes. J'ai peur des arbres. Ouais, c'est marrant, deux jours, j'ai moins le vertige. Mais par contre, faut pas que je regarde en bas, quoi. Ah bah, j'essaierai de mettre le lien ici, là. Parce qu'on l'avait fait il y a 2 ans, non, de nuit. Ah, et là, on s'arrête en haut. Ah là 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 là. Mais ça va, en fait. Ça va, mais il faut pas que je regarde en bas. Quoi. C'est juste ça. Vas-y, répète. Moi, j'ai pas peur trop de la hauteur. C'est plus que si ça, si le mécanisme s'arrête et qu'on est en haut, là, on va rester longtemps. Bah là, on est en haut. Hein. Bloqué. Il s'est arrêté. Là, on est sur le côté. Là, on est sur le côté, pas en haut. On n'est pas en haut, là? Non, on est sur le côté. Regarde. En haut, c'est là-bas. Ah, la vache. Ah oui, exact. Attends, je montre. Ah, mais attends. Parce que je pense qu'on a un deuxième tour. Non, on a 3 tours. Ah, c'est 3 tours. Oui, c'est 3 tours. 16 euros. Je crois. 16 euros, les 3 tours. C'est un peu cher, hein, je trouve. Mais bon, on est en vacances. Ah, okay. Et il est... 9h moins 7. Ça va, il prend une échelle, on est en sécurité. Et il fait 20 degrés. Est-ce que c'est agréable de faire la route ou pas? Ouais. Vas-y, Clémence. Ouais. Allez. Bravo. Allez, il y a du pêcheur, là. Du pêcheur d'algues. Désolé. Ah, là aussi, il y a du pêcheur. Et du pêcheur partout. Ouais, bah, c'est pas la température de Barcelone. Hein. La vache. Aïe, 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 ça caille, quoi. Elle est chaude, bah non, ouais, si, elle est pas mal en fait. Mais bon, enfin, rien à voir avec la Méditerranée. Donc, il se passe quoi là? Tu vas direct? Ouais. Moi, je touche pas. Hein. Allez, go! Ah, bah non, c'est pas pareil qu'à Barcelone. Hein. Eh oui, c'est un peu plus froid. Je trouve l'eau bonne, moi je peux pas. Hein. Impossible. Je reste à filmer sur le bord. Et voilà, donc c'est la suite des vacances. On a dit au revoir à Saint-Jean-de-Mont parce que bon bah voilà, c'était suffisant.
Et puis bah comme tous les ans, on se retrouve, Jeanne, tu dis ? Au port Barassol ! Ouais, on aime bien ce camping, il est cool. Ouais. Donc il y a des super toboggans, super piscines, les animateurs sont sympas. Donc voilà. Le chauffeur privilège. Ouais, marin. Et je sais pas s'il est là cette année, on verra. Et donc je sais pas, on va rester ouais, peut-être 2 jours par ici quoi. 2-3 jours, on va voir. Voilà, faut que je répare le frigo si on veut être en autonomie. Parce qu'il y a une fuite de gaz et c'est un peu chiant. Donc voilà, voilà, on va vous filmer tout ça. Voilà, comme vous avez pu le voir précédemment, on est toujours au camping Pin Parasol, là, entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. Et bon, j'ai pas beaucoup filmé parce que bon, je vous mettrai le lien hein, des précédentes vidéos. On a déjà fait plein de films sur le Pin Parasol. Et puis bah là, on va. Là, je mange et je vous montre petite recette de pâtes en camping-car. Donc voilà l'histoire, merguez, poivron, poireau, crème fraîche, moutarde à l'ancienne avec du cumin. Et puis bah là, l'eau des pâtes, elle chauffe. Donc on attend et puis on va se régaler. Et puis ensuite, on va aller faire cet après-midi. C'est décidé, il fait pas très très beau. Je vais vous montrer là juste après ou alors pendant que je cause. Il fait pas très beau aujourd'hui, donc on va pas de piscine. Et puis bah, parce que hier on a cramé de chez cramé. Là on est lundi 12 août, pardon. Hier on a cramé, on a tous plus ou moins pris des coups de soleil, mais bon, on n'est pas brûlé hein, évidemment. Donc ça va juste colorer un petit peu la peau. Et donc ça tombe bien en fait qu'il fasse un peu moche aujourd'hui. Pas de piscine. Et puis je vais vous faire visiter un petit peu le camping. Mais de l'autre partie quoi. Cet après-midi, on va faire un mini-golf. Voilà, j'ai un peu la tremblote, j'ai l'impression. Ouais, parce que hier on a fait de la muscu à la piscine. Et du coup, j'ai les muscles des bras qui sont un peu tétanisés, mais bon, c'est comme ça. Allez, bonne suite de la vidéo. Voilà, là il y a un petit bar avec la grande piscine, une des grandes piscines qui est derrière là, avec le bassin qui fait 50 mètres là, c'est parfait pour faire des longueurs. Ici c'est pas mal pour boire l'apéro. Voilà, là il y a des gens en face, donc je vais pas les filmer. Et c'est parti, direction le mini-golf. Donc là-bas, il y a un autre bâtiment, ça doit être des sanitaires, je pense. Ouais, c'est d'autres sanitaires. Et alors les jeux, c'est par où? C'est tout droit. Hein. Oui, je sais pas si. Je crois qu'il y a plusieurs jeux, mais j'en ai vu tout à l'heure. Je suis allée. Ouais, c'est tout droit. On va passer à côté de l'étang normalement. Là, il y a des jeux ici, mais il y en a d'autres en bas. Là il y a l'étang, ici il y a des jeux, c'est les jeux de bébé, hein, comme elle dit. L'étang, il y a des gens qui pêchent. Voilà, ils sont chouettes là, les maisons qui sont derrière, c'est quasi des maisons. C'est pas mal. Allez, on avance. Encore des plombées. On avance. J'espère qu'on va pas se prendre la pluie. Parce que le temps est vraiment pas génial. Alors le souci, quand les gens ils sont spotés ici, c'est qu'en fait, ils sont vraiment loin de tout. Il faut absolument avoir des vélos. Parce que ce camping est tellement immense que parfois, ça peut devenir un peu contraignant. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. J'espère qu'on va trouver. C'est quand même sympa, il y a même un skate park ou un roller park. Là. Il y a des jeux partout, je vais pas filmer trop les gens. Hein. Allez, c'est parti, direction le mini-golf. Clément, ça veut pas jouer. Donc c'est Jeanne contre papa. Allez, trou numéro 1, c'est parti. Prends la balle rouge. Toi, tu prends la balle rouge? Non, c'est la verte. Voilà. Ah non, il pleut. Ah, il pleut. Non, bah ça va aller. C'est 2-3 gouttes. Bon, allez-y. Trou numéro 1. J'accélérerai.
Ah, il pleut. Bon, ça va nous faire du bien. Deux coups. Bon, etc, etc. Ah. Ouais, recommence. Recommence. Allez, trou numéro 3. Pour le moment, c'est moi qui gagne. Allez. Ok, deux coups. Trois coups. Allez, en quatre coups. Concentre-toi. 4. 5. Ah bon? 4. Allez, 4 coups. Ah, les boules. Trou numéro 4. Je l'ai fait en 8. Je l'ai sorti 4 fois la boule. Ça craint. Allez, direction trou numéro 5. Attends, Jeanne. Je te filme. Il va faire aussi 11. Je vais gagner si elle se trouve. Bon, trou numéro 7. Jeanne, en un coup. Bravo, bravo, bravo. Moi, je l'ai fait en 3. Allez, on arrive au trou numéro 8. C'est parti. Trou numéro 8, il a l'air un peu complexe quand même. Attends, deux secondes, je filme le trou numéro 8. Il y a un pont, après il y a un virage. Et on arrive au trou là-bas. Allez, c'est parti, je te filme, Jeanne. Oui. Alors toi tu l'as fait en 4, on est sur le trou numéro 2. Allez, on va arriver au trou numéro 12. Je pense que j'ai une petite avance sur Jeanne, mais c'est pas sûr parce que y en a un là, j'ai galéré. Donc bon, on va voir les scores à la fin. Allez, trou numéro 12. Trou numéro 12, il y a carrément un pont et tout ça quoi. Toi t'es forte avec les ponts. Allez, vas-y. Un. Deux. Trois. Oui, trois coups. Trois coups. Allez, on arrive au numéro 18. Toi, t'as déjà joué un coup. Là, il y a le grand pont et tout ça. Allez, concentre-toi. Oui, bien joué. Oui, deux. Deux, trois. Trois. Ça s'appelle la francophonie. Tu es obligé de repartir depuis le début. Donc t'es à 4. C'est même pas possible. On a fini le parcours de mini-golf. Maintenant, ça va être le verdict. Je pense que j'ai gagné. Honnêtement, je pense que j'ai gagné. Donc voilà la chose. 91, Jeanne. Et moi, 78. Je suis le grand vainqueur. Mais non, j'ai pas mon téléphone. Là, il y a des Anglais qui sont arrivés. Là, ils ont des moches de tente. C'est incroyable. Là, c'est une espèce de tente sur remorque. C'est assez hallucinant. En fait, je retourne là-bas parce que j'ai perdu le crayon du mini-golf. Donc, voilà, il a dû tomber. Puis c'est pas mal parce que en fait tous les emplacements de tente ils ont une petite pergola comme ça, c'est pas mal. Bon allez, c'est reparti, je vais essayer de retrouver le crayon. Et voilà le crayon qui était tombé. Allez hop, c'est reparti.
Bon, les filles, elles sont au jeu, elles se sont fait des copines. Donc je leur ai dit de ne pas rentrer trop tard. Hihi. Mieux la coupe. Allez, va-t'en, je vais attendre tout le monde. Mieux la coupe. Allez, pousse. Voilà, hyper fier. C'est la nouveauté 2024, Clémence, c'est faire du vélo. Voilà, c'est pour les tontons et les tatates. Eh oui, c'est bon. Allez, go. Can we go faster? Okay. Yeah. Avec l'autre main, tu vas tenir le ballon. Ok, so. Bon, on y va. Tire. Allez, nous voilà rendus au lac de Grand. Et donc on est avec les copains, ça fait deux jours qu'on est là, j'ai pas filmé. Mais là je vais quand même filmer un petit peu le lac. On se fait le tour du lac, donc c'est une grande balade de 12-13 km. Et c'est parti, je vais vous montrer tout ça, ça a l'air d'être magnifique. On se croirait dans les Vosges ou dans le Jura, c'est superbe. C'est parti. Ouais, vraiment ça commence bien quoi. Le petit chemin il est bien sympathique. C'est parfait. Il y a des murs en plus partout, c'est cool.